au Caraïbes. La mer est belle, la mer est belle. Elle nous invite, elle nous appelle au Caraïbes. La mer est belle, elle nous invite, elle nous appelle. Il y a des poissons multicolores, des herbes de toutes les couleurs. J'ai vu le poisson chirurgien qui a fait fuir tous ses copains, et le beau poisson perroquet qui a attrapé le hoquet. J'ai essayé de lui faire peur, j'ai réussi au bout d'une heure. Au Caraïbes, la mer est belle, la mer est belle. Elle nous invite, elle nous appelle, elle nous appelle. Au Caraïbes, la mer est belle, elle nous invite, elle nous appelle. Attention à de pied, les oursins noirs peuvent piquer, ou bien le vilain poisson pierre qui creuse le sable et puis s'enterre. Partout il y a des poissons trompettes qui chantent leurs chansons à tue-tête, et des bandes de sergents majeurs qui dansent et qui reprennent en cœur. Au Caraïbes, la mer est belle, la mer est belle. Elle nous invite, elle nous appelle, elle nous appelle. Au Caraïbes, la mer est belle. J'ai discuté près d'un rocher avec un crabe très bien élevé, quand soudain nous est apparue sa grande amie Madame Tortue. Attention, vite, filez de là, car j'ai vu un barracuda. Mais c'était juste pour rigoler, maintenant je suis tout mouillé. Au Caraïbes, la mer est belle, la mer est belle. Elle nous invite, elle nous appelle, elle nous appelle. Au Caraïbes, la mer est belle. Et des milliers de coquillages qui sur la plage ont fait naufrage, pour le bonheur de ces enfants, qu'ils soient petits ou qu'ils soient grands. De ci, de là, des cocotiers offrent un coin d'ombre bien mérité. On y accroche des hamacs et vient nous bercer le ressac. Au Caraïbes, la mer est belle, la mer est belle. Elle nous invite, elle nous appelle, elle nous appelle. Au Caraïbes, la mer est belle. En effet, tout en haut de la vigie, on peut voir flotter l'étendard des deux affreux. Deux têtes de mort enchevêtrées ornent ce drapeau. Ne nous précipitons pas, les amis. Il nous faut un plan, car nous avons affaire à des malins et surtout des méchants sans scrupules. Allons nous poser sur cette montagne. De là-haut, nous les surveillerons sans qu'ils s'en doutent. Doucement, les quatre papillons géants descendent se poser au sommet de cette grande montagne. Mais ce n'est pas une montagne, c'est un volcan. Je suis un vieux papy, et tout seul je m'ennuie. Alors pour me distraire, je pique des grosses colères. Je grogne, je tremble, je fume et je bouillonne. Je crache, je pète, je hurle et je rouspète. Quand est-ce que ça s'arrête? Quand j'étais bien plus jeune, je ne craignais personne. Chacun disait de moi, il a l'étoffe d'un roi. Il grogne, il tremble, il fume et il bouillonne. Il crache, il pète, il hurle et il rouspète. Quand est-ce que ça s'arrête? On vient parfois de loin, mais tout le monde me craint. On vient voir ma plaie qui ne guérira jamais. Elle grogne, elle tremble, elle fume et elle bouillonne. Elle crache, elle pète, elle hurle et elle rouspète. Quand est-ce que ça s'arrête? Je suis un vieux papy,
et je rêve d'un bon lit. Je suis bien fatigué, j'en ai marre de tousser. Je grogne, je tremble, je fume et je bouillonne, je crache, je pète, je hurle et je rouspète. Quand est-ce que ça s'arrête? Attention, posez-vous bien sur les bords du cratère, hein, sinon vous pourriez vous brûler. Bonjour, monsieur le volcan. Pouvons-nous nous cacher ici afin de surveiller ces vilains frères pirates? Oh là là! Ne me parlez pas de ces deux-là! Depuis qu'ils ont jeté l'ancre dans la baie du dragon, je ne suis plus tranquille une minute! Ils font plus de bruit que moi, c'est un comble! Et puis, ils n'arrêtent jamais! Jour et nuit, ça hurle ou ça rigole! Ça tape ou bien ça cogne! La musique est trop forte! Et puis, regardez autour d'eux! Ils jettent par-dessus bord tout ce dont ils ne veulent plus. Ici, un vieux tonneau. Par là, un canon rouillé. De ce côté, une voile déchirée. Ah, vraiment, si je pouvais m'en débarrasser. Mais nous sommes là pour ça. Pas vrai? Alors, laissez-moi vous aider. Nous allons leur faire la peur de leur vie. C'est parti! Oh non, oh non! Il nous faut d'abord délivrer Aster. Ce soir, nous irons en repérage. Et demain, nous aviserons. Ah ah ah, à ta santé mon frère. Ah ah ah, mais que fais-tu par terre? Tu as trop bu je crois, viens t'étendre par là. J'ai peur dans le noir, tu ne vas pas me croire. Là-bas j'ai vu une ombre, j'ai peur il fait trop sombre. Ah ah ah, mais que dis-tu mon frère? Ah ah ah, tu rigoles j'espère. Personne n'est assez fou pour venir jusqu'à nous. Pas même un vieux fantôme qui voudrait être drôle. C'est sûr j'ai vu quelqu'un de mon œil qui voit bien. Ah ah ah, en garde je sors mon sabre. Ah ah ah, venez si vous êtes braves. Moi je ne crains personne sauf le tonnerre qui tonne. Sois très prudent mon frère, je n'aime pas ses manières. Cette ombre est insolente et peut-être virulente. Ah ah ah, je la vois elle est là. Ah ah ah, tu ne m'échapperas pas. Donne-moi mon espingole pour qu'enfin je rigole. Tiens, tiens. Bon débarras. D'un coup d'aile, le papillon rejoint le sommet du volcan. Oh là là, on l'a échappé belle. Un peu plus et nous étions touchés. Oh mes amis, j'ai pas pu voir grand-chose. Le pont est gardé par de gros malabars aux biscottos couverts de tatouages qui font frémir. Quant aux deux frères, vous avez vu l'accueil qu'ils m'ont réservé. Il nous faut réfléchir. J'ai une idée. Venez plus près. Premièrement, l'un de nous doit occuper les gardes sur le pont. Ce sera moi. Je les entraînerai dans une course folle. Moi, en même temps, j'irai agacer les deux frères pirates en leur bourdonnant aux oreilles. Et moi, j'irai délivrer Aster. Fer de lance m'accompagnera. Au moment choisi, je me servirai de ceci. Alexandre sort de sa poche la minuscule graine magique offerte par la gracieuse reine de Malaisie. Et moi, je vais entrer dans une colère comme jamais encore. Je pense qu'ils auront si peur qu'ils changeront de métier, ces deux-là. Attendons le milieu de la nuit. L'effet de surprise sera plus grand. Et le temps qu'ils se réveillent, nous aurons déjà délivré Aster. Dormons, il nous faut prendre des forces. Fer de lance appelle ses amis car il vient de découvrir un goyavier couvert de fruits mûrs à point. Voilà un plein de vitamines. Tout le monde se régale et trouve un petit coin pour dormir. Allez les amis,
je règle la sonnerie de ma montre sur 2h du matin. Bonne nuit à tous. Bonne nuit.